Juste avant de commencer cette petite vidéo, je voulais juste vous dire quelque chose, que ma voix pendant le commentaire de cette vidéo, elle a un petit peu buggé, et aussi la vidéo elle est un peu longue, comparée aux autres, elle fait 11 voire même 12 minutes je crois, elle est vraiment un petit peu longue, le gameplay à la fin il va changer parce que tellement que j'ai tellement parlé pour rien dire et tout, et du coup la vidéo elle est un peu plus longue que d'habitude, mais voilà, si vraiment vous avez le temps de regarder la vidéo entière, bah, n'hésitez pas à la regarder en entière, elle est quand même bien, il y a quelque chose bien et tout que je dis, voilà, il y a plein de choses que je dis en stream tout ça et qui est dans cette vidéo, voilà, plein de choses tout ça, donc voilà, moi je t'ai dit, n'hésitez pas vraiment à liker comme vous voulez, donc voilà, moi je t'ai dit c'était Carnage, allez bon visionnage. Salut tout le monde, c'est Carnage, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc je se trouve pour une vidéo très spéciale. Aujourd'hui c'est la première fois que je vais faire ça sur ma chaîne YouTube, pardon. Donc aujourd'hui, avant de parler du sujet, je vais parler du gameplay, mais donc le titre, normalement ce sera à peu près, je pense que ça sera ça, les 5 meilleures choses de Black Ops 3, je suis pas sûr du tout, je pense que ça sera ça, je vais voir. Donc juste avant de parler du sujet tout ça, le gameplay c'est bien, mais c'est pas top on va dire, j'ai plein de gameplay en stock, mais celui-là je voulais le mettre pour cette vidéo, parce que cette vidéo il y a aucun rapport avec le gameplay, donc du coup voilà, je préférais mettre un gameplay comme ça, c'est quand même nucléaire, ne vous inquiétez pas, c'est nucléaire en 38, enfin c'est 38, c'est un 38 GS pardon, en G5, voilà, ça fait, c'est 3 mois que j'avais pas de groupe de 5 limite, parce que je joue en général maintenant, je joue en solo, je joue énormément en solo, en G2 et Mista Free, en G3 et Bazing, et après c'est à des autres gens connectés comme dans cette game, par exemple Predator, Basketor ou quoi, ou même Grid ou truc comme ça, Reality, bah, je joue en groupe, voilà, je joue avec mes potes tout simplement, donc c'est pour ça que dans ce gameplay j'étais en G5 parce que je jouais tout simplement avec mes potes. J'étais en stream en plus, voilà, donc c'était en stream, j'étais pas concentré tout ça. Bon, c'est quand même 38 GS et ce n'est pas la main noire, ce n'est pas sur Newton, c'est à la FFR sur son gold, voilà, je pense que vous l'avez remarqué. J'ai ramassé une BRM par terre, voilà, c'est une BRM. J'avais la main noire à la fin aussi, mais bon, voilà, tout simplement, juste pour vous dire ça. J'ai la tempête, drone, hector, drone brouillage, voilà, un truc comme ça. Donc voilà, moi j'ai tout dit par rapport au gameplay, on va passer au sujet. Donc alors, déjà avant de passer au sujet, encore une fois, je voulais vous dire, si vous aimez vraiment cette vidéo, je vous le dis avant la, comment dire, avant de, enfin au début de la vidéo tout simplement, ça je vous le dis avant la vidéo, voilà, pour vous dire si vraiment vous aimez ce genre de vidéo, cette vidéo, bah, je ferai l'inverse. Donc les 5 choses que je n'ai, ou les 10 choses, ça dépend, que je n'aime pas sur Black Ops 3, que je déteste ou que je n'aime pas, voilà, vraiment il faut mettre des likes, voilà, si je vois qu'il y a plus de likes que les vidéos d'habitude, voilà, si je vois qu'il y a pas mal de likes, si je vois qu'il y a pas mal de commentaires, voilà, dites-moi votre avis aussi du top 5 à la fin de la vidéo, bien sûr à la fin c'est un peu plus logique, dites-moi à la fin, voilà, dites-moi dans les commentaires votre avis de la vidéo, voilà, tout ça, de toute façon vous savez ce qu'il faut faire, mettre un like pour voir si vraiment ça vous plaît, comme ça je ferai la vidéo, si vraiment je vois qu'il n'y a pas beaucoup de likes, si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, bah, je ferai pas la vidéo, les 5 choses que je déteste sur Black Ops 3, alors qu'il y a des choses très bien que je pourrais dire, que je pourrais dire, voilà, ça, après c'est à vous de voir, c'est comme vous voulez, donc voilà, du coup moi j'ai tout dit, on va passer au sujet, enfin, ça fait 3 minutes que je parle, désolé, mais bon c'est pas grave, ça va, c'est rien, alors on va commencer au premier, donc il n'y a pas de classement on va dire, il y a 5 choses, d'accord, il n'y a pas de classement, il n'y a pas une chose que j'aime bien plus que tout, tu vois, vraiment que, tu sais, c'est un Call of Duty, donc voilà, c'est un peu tout pareil, voilà, 5 choses que j'aime bien, je vais les dire dans cette vidéo, il n'y a pas de classement, donc voilà, la première chose, enfin la première, ce qu'on voulait, dites-moi c'est dans les commentaires votre avis à la fin de la vidéo, ça je l'ai déjà dit, mais bon, c'est pas si grave, alors, déjà on va commencer par les spécialistes, voilà, les spécialistes c'est une chose que j'adore sur Black Ops 3, par exemple je cite la faux, la tempête et l'onde thermique, c'est les 3 choses que j'utilise le plus, l'onde thermique oui c'est le, ouais, le plus riff si vous voulez, mais j'utilise que sur Newton, encore c'est très rare parce que je joue plus du tout en groupe en fait, du coup je joue tout le temps en solo, donc j'utilise pas le plus riff, j'utilise la tempête et la faux. Et l'onde thermique, pourquoi j'ai l'onde thermique, bah vous allez voir pourquoi, enfin je vais le dire maintenant en fait, c'est plus logique. L'onde thermique c'était pour le Dark Meter, c'était pour monter le Dark Meter le plus rapidement possible, enfin le plus rapidement, le plus facilement on va dire, voilà, pour faire les shots tu mets un onde thermique et après tu peux faire tes shots tranquillement, voilà, avec les armes dures, le bressing, les marqueurs, tout ça c'était compliqué les shots parce qu'il faut bien viser et en général tu utilises un endoscope, enfin voilà, plein de trucs. Après, voilà, les spécialistes, comme j'ai dit, la faux, en général, je meurs pas quand je l'ai dans les mains. Quoique, il y a eu le patch, genre, je dis, en fait, je dis à chaque fois, il y a eu le patch de la faux.
Mais en fait, il y a un an et demi qu'il y a eu le patch de la faux, mais je joue très rarement. En général, je joue énormément à la tempête. La deuxième chose, c'est le Dermeter, voilà, que j'adore, que j'ai adoré à faire. Vraiment, c'est une chose qui est très difficile sur Black Ops 3 à faire. Il n'y a pas énormément de monde qui l'ont. Vraiment, il n'y a pas énormément de monde qui l'ont. Là, je viens de débloquer la nucléaire et après, ça rage quitte, donc il n'aura pas beaucoup de kills. Mais j'ai quand même laissé le gameplay en entier pour faire cette vidéo parce que cette vidéo va être longue. Je pense vers les 10 minutes. Voilà, le Dermeter, voilà, qui est très dur à faire. Voilà, j'ai fait le couteau qui m'a bien fait chier quand même. Le couteau, l'UXM, tout ça, les brécis, tir à la tête. C'était un truc de malade. Les dracons, tout ça, c'était un truc de fou. J'ai fait énormément en MME avec l'on thermique aussi. J'ai monté pas mal d'armes en thermique ou alors en hardcore. Voilà, ça dépend. Le couteau, voilà, que je fais limite du négatif tout le temps avec. Je crois que j'ai un 20 de race au couteau, je crois. Après le XM, alors ça. Le XM et le Black Cell, ah my lord, alors ça, c'est la chose que j'ai galéré, c'est pas que j'ai galéré, mais j'ai fait exprès. Alors, je faisais limite à tous les games du 0,70 de ratio, 0,50, 0,40, 0,30, 0,60 de ratio tout le temps. Mais au moins pendant une après-midi entière, j'ai fait ça en fait, limite, parce que j'étais en solo, donc je pouvais rien faire d'autre. Et j'ai fait du 0,70 limite à toutes les games pendant une après-midi entière à faire ça. Parce que je me suicidais pour que les gens ont un hater ou un drone ou un HD ou ce que tu veux, un colis, ce que tu veux, des raps ou quoi. Je faisais exprès de me suicider pour qu'ils ont un hater et voilà, pour que je les détruise, pour que j'ai l'arme en or. C'est un truc de malade. Voilà, j'ai limite, j'ai fait exprès de mourir pour qu'ils ont un hater. C'est normal, normal. Maintenant, quand j'ai un hater, j'ai rage quitté. C'est un truc de malade. Le Dermeter, voilà, comme j'ai dit, c'est un truc que ça m'a vraiment plu à le faire. Et voilà la récompense qui est venue d'avoir le Dermeter. J'utilise en général tout le temps, voilà, qui est vraiment magnifique, que je le kiffe. Bah, de toute façon, c'est mon camouflage préféré sur Black Ops 3, le Dermeter. Vraiment, c'est une chose qui est magnifique. J'adore ce Black Ops 3 et qui m'a fait envie de jouer à Black Ops 3. Voilà, aimer à Black Ops 3 surtout. Donc voilà, la troisième chose, c'est les couleurs du jeu. Je parle, les couleurs, ça sera le zombie que je vais tout de suite en parler. Les couleurs du zombie. Je vais pas dire, je vais pas faire un top 5 zombies, hein. C'est plutôt là, c'est plutôt basé sur le multijoueur. Il y a juste le troisième classement que je vais parler du zombie, celui-là. Voilà, les couleurs du zombie, voilà, les. Comment dire, je sais pas comment dire. Les couleurs, je veux dire, c'est pas fade, c'est pas comme sur Ghost, un Fighter Phare, 1, 2 et 3, 1, 2 et 2, Black. Pas Black Ops, 1, 2 et 2, Code 4, comment dire, le vrai Code 4, on va dire. Tous ces Call of, c'est des couleurs fades. Vraiment, c'est des couleurs fades. Il y a un peu du vert, il y a un peu du gris, il y a un peu du marron, il y a du noir, il y a un peu du rouge fade. Je pense que. Je sais pas si vous voyez ce que c'est fade. Les couleurs fades. Je sais pas si vous avez été à l'école plutôt. C'est le mec. Non, les couleurs fades, en gros, c'est des couleurs qui ont pas. Qui sont très clairs, on va dire, et qui sont pas vifs en fait. Vifs, c'est genre, c'est rouge, c'est bleu, bleu non, mais je sais pas comment dire, orange, jaune, voilà, trucs comme ça. Ça, c'est des couleurs vives. Et sur Black Ops 3, il y a énormément de couleurs vives, voilà, même dans les menus, tout ça. Il y a beaucoup de couleurs vives, et c'est ça que j'adore sur Black Ops 3, les couleurs, voilà, les maps et tout, c'est magnifique. Après, la feed Trinatopie qui est vraiment magnifique, que j'adore, vraiment la feed Trinatopie qui est vraiment super beau. Que j'ai aimé sur Black Ops 3, vraiment, c'est une très bonne chose qui a été inventée sur Black Ops 3. Voilà la couleur de la feed qui est très important, la feed sur Black Ops 3, voilà, avec le sniper, avec les spécialistes et tout, vraiment c'est super beau. Du coup, moi je mets la feed Trinatopie, voilà, que je mets depuis, ça fait un an et demi que j'ai le jeu, donc ça fait un an et demi que je mets le mode Trinatopie. Après, la cinquième chose, on va parler des maps et surtout les maps DLC que j'ai adoré, les remakes, voilà, les Empire, les verges qui étaient Banzai, la map Banzai de World at War plutôt, la map, voilà, plein de maps comme ça que j'ai adoré, même Nukton parce que c'est un remake en fait de Nukton. Vraiment, c'est super beau. Les maps sont vraiment magnifiques, les armes DLC comme Berserk, Rift, voilà, les couleurs vives que j'adore sur Black Ops 3, pour moi qui est très important dans un Call of Duty. C'est les couleurs vives, voilà, les belles couleurs, et moi ça me donne énormément envie de jouer à. Sur Black Ops 3, grâce à ça en fait, grâce aux maps, voilà, Nukton combine des bonnes maps où il y a une bonne stratégie à faire, où ça change à chaque game, il y a des stratégies qui changent, ça dépend aux ennemis, tout ça. Que par exemple sur Black Ops 2, bah, ça changeait pas en fait, c'était tout à la même chose. En général, sur Nukton, c'était tout à la même chose, tu faisais exactement la même chose et ça marchait en général. Que sur Black Ops 3, tu peux faire exactement la même chose. Et bah ça marche pas en fait, ça, il faut s'adapter aux ennemis. Que sur Black Ops 2, c'était pas pareil parce qu'il n'y a pas les spécialistes, il n'y a pas des choses qui te font
pas habitué au jeu, je sais pas comment dire, mais ouais, vous m'avez un peu compris. Voilà les maps DLC, voilà comme j'ai dit, Berserk, il y a plein d'autres maps, Verge, Rift, Rise, plein de trucs comme ça qui m'a fait aimer le jeu, on va dire ça comme ça, qui m'a fait vraiment aimer le jeu, je vais pas en dire plus. Voilà, après la vidéo elle est assez longue, elle va durer 12 minutes, je suis désolé, enfin. Voilà, c'est une vidéo par mois que je fais de 11 minutes, je pense que ça va. Donc voilà, moi j'ai tout dit, vraiment, dites-moi dans les commentaires votre avis, voilà, qui est très important, voilà. Votre avis de moi, votre classement, tout ça, votre top. Je lirai tous les commentaires, je mettrai un like et tout, je me répondrai, en général je réponds, à part si c'est vraiment de la merde le commentaire. Mais voilà, en général je réponds, ou alors c'est j'oublie ou il n'y a pas de notif. Donc voilà, moi j'ai tout dit, c'est pas vraiment liker la vidéo en masse, comme ça je vois si vraiment la vidéo vous plaît et je ferai l'autre partie. Après n'hésitez pas à me dire dans les commentaires voilà, tout ce que j'ai dit. Et n'hésitez pas vraiment à vous abonner, à activer les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos et aucun de mes streams, qui est très important, comme ça on a bientôt les 500, les 700 abonnés. Et je pense qu'à la fin de l'année on aura les 1000, voire même plus. Moi je pense qu'on aura plus, j'espère en tout cas. Mais moi je pense qu'il n'y aura pas, si je continue comme ça je pense que j'aurai 1000 abonnés. Moi j'espère. Donc voilà, du coup moi j'ai tout dit, n'hésitez pas vraiment à liker, comme j'ai dit, à tout faire, vous savez ce qu'il faut faire. Donc voilà, moi je te dis, c'était quand même.